Bonjour, mon nom est Caroline Monet. Je suis scénariste et réalisatrice basée à Montréal. Je travaille dans le milieu cinématographique depuis 2009 et jusqu'à aujourd'hui, j'ai réalisé à peu près une dizaine de courts-métrages. En ce moment, je travaille à la post-production de mon premier long-métrage de fiction. Mes films varient dans la forme, que ce soit le documentaire, l'expérimental, la fiction, et j'ai travaillé autant en anglais qu'en français, qu'en Cree et en Anishinaabemowin. J'ai grandi en Outaouais, au Québec. Ma mère est algonquine de Kitigan-Zibi, au nord d'Ottawa, et mon père est français de France. Moi, j'ai grandi en français. Ma mère n'a jamais appris l'Anishinaabe, pourtant, c'est la langue maternelle de mon grand-père. Quand elle était petite dans sa famille, il parlait majoritairement en anglais. Donc, je trouve ça intéressant que sur trois générations, mon grand-père, ma mère et moi, on a chacun notre première langue, mes collaborateurs. Je rêve en français. Et même si c'est une langue coloniale, faire des films en français est devenu une priorité pour moi depuis quelques années. Je pense que c'est extrêmement important qu'on fasse nos films dans nos langues traditionnelles. Il faut que les langues autochtones fassent leur place dans le paysage cinématographique et dans les médias canadiens, mais je pense aussi que c'est important d'appuyer la production cinématographique autochtone francophone parce qu'il existe un vrai fossé entre les communautés autochtones anglophones et francophones au pays. Lorsque j'ai déménagé à Montréal il y a environ 7 ans, après avoir passé plusieurs années à Winnipeg et avoir fait mes premiers pas en cinéma là-bas, je me suis rendu compte que le cinéma autochtone au Québec était quasi inexistant, surtout en langue française. Les longs métrages réalisés ou produits par des auteurs ou par des autochtones sont rares. On pense aux films comme Le Deb de Sonia Bonspiel-Boileau ou Mesnac de Yves-Sioui Durand, mais vraiment, on peut les compter sur les doigts d'une main. Plus récemment, on a vu beaucoup de films réalisés par des réalisateurs québécois en étroite collaboration avec les communautés autochtones. C'est bien, c'est fait avec beaucoup de respect, c'est fait avec beaucoup de collaboration, mais encore une fois, on est dans des schémas où les postes clés ne sont pas occupés par les autochtones eux-mêmes. Je pense qu'encore aujourd'hui, l'initiative du Webconnie mobile reste la plus grande source de contenu autochtone des communautés francophones au Québec. C'est une initiative qui permet de briser l'isolement, développer un intérêt en cinéma chez les jeunes, mais le problème reste toujours le même. Comment garantir une formation, un encadrement au-delà du contexte du Webconnie et d'offrir à ces aspirants cinéastes une place dans l'industrie cinématographique? Le cinéma québécois a développé sa propre machine cinématographique. C'est très gros et ça demande beaucoup de détermination et de témérité pour naviguer au travers de cette industrie-là. Où la présence autochtone est plutôt clairsemée. J'ai le sentiment que des villes comme Winnipeg ou Toronto, même Vancouver, sont déjà plus avancées, plus établies comme des pôles de foisonnement de cinéma autochtone, comparé à Montréal ou même la ville de Québec. Donc, c'est sûr que moi, à travers mon travail, j'espère contribuer de façon positive à pallier le manque de représentation autochtone dans le cinéma québécois. J'espère lui faire une place. Puis par la même manière, amener plus de visibilité aux créateurs autochtones et aux communautés autochtones du Québec. On parle de 11 nations au Québec quand même, mais beaucoup de ces nations-là parlent pas anglais. En fait, ça serait même leur troisième langue pour eux. Les peuples autochtones du Québec font face à ce qu'on appelle une double solitude au Canada. Quand on regarde la production cinématographique autochtone au pays, on voit bien que c'est inégal. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'Ouest canadien, mais c'est beaucoup moins actif dans l'Est. Je dirais qu'il y a des défis supplémentaires pour les autochtones francophones parce qu'il y a un niveau de marginalisation qui est supplémentaire aussi. Si je vous donne un exemple, quand on ne parle pas anglais, on ne peut pas avoir accès à toutes les belles ressources et tous les outils qui sont disponibles dans le reste de la communauté autochtone au pays. On n'est pas connecté à tout ce qui se passe du côté anglais. On n'a pas accès aux entrevues de réalisateurs dans l'Ouest qui sont très souvent en anglais. Donc, on n'a pas accès à tout ce contenu qui est précieux quand on démarre dans l'industrie cinématographique.
C'est rare aussi que les films qui proviennent de l'Ouest soient traduits en français, à moins qu'il y ait une sortie prévue au Québec. Et même sur le plan international, si on ne parle pas anglais, on n'a pas accès, c'est difficile d'accéder au réseau international autochtone avec les Maoris, les Aborigènes d'Australie, en Afrique du Sud même. On a un petit peu plus de contact peut-être avec l'Amérique du Sud à cause de la familiarité de la langue, mais en termes de Canada, c'est difficile pour nous de traverser ce pont de la barrière de la langue. Même d'un point de vue professionnel, toutes les initiatives, les décisions prises dans l'industrie du cinéma autochtone au pays sont généralement faites en anglais. C'est plus difficile de présenter, de parler de son travail en festival, d'approcher des producteurs anglophones. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'opportunités qui sont coupées par la barrière de la langue. Par exemple, même les échanges à Imaginative se passent majoritairement en anglais. Donc, d'un point de vue professionnel, la barrière de la langue peut devenir un frein quand on ne parle pas anglais. Je pense que même et vice-versa, on a l'impression que la communauté autochtone anglophone est pas consciente de ce qui se passe dans le Canada autochtone francophone. On doit faire notre place non seulement dans l'industrie québécoise, mais aussi à l'intérieur de la grande communauté autochtone. Cette barrière de la langue, elle nous marginalise, elle contribue au manque de communication et à un éloignement culturel entre les deux communautés, alors qu'on a le même combat d'une meilleure représentation autochtone à l'écran et d'une autodétermination sur les histoires qui nous appartiennent. Cette disparité, on la retrouve aussi dans les systèmes de financement en place, comme le Conseil des arts du Canada et Téléfilm Canada. Je veux dire, les pourcentages parlent par eux-mêmes. On est en minorité. Il y a très peu de projets qui sont déposés en français. C'est sûr qu'au Québec, on est 50 ans en arrière. Et pour tout ce qui est de la question autochtone au sens large. Et c'est sûr que ça affecte aussi la vitalité de l'industrie cinématographique autochtone ici. Mais moi, je pose la question, comment ça se fait qu'encore aujourd'hui, lorsqu'on dépose des projets en français en financement, ces projets-là ne peuvent pas être analysés de la même manière que les autres projets déposés en anglais. C'est encore un défi aujourd'hui de rassembler un comité de pairs qui soit actif dans l'industrie du cinéma et qui soit entièrement bilingue, qui puisse évaluer nos projets déposés en français. Au Fonds autochtone de Téléfilm Canada, par exemple. Ça m'est arrivé souvent d'être invitée comme analyste externe pour des demandes de financement déposées en français. Et c'est bien, je peux donner mes recommandations sur le dossier en question, mais je ne peux pas l'évaluer en relation aux autres dossiers qui ont été déposés. Donc, directement, les projets francophones sont automatiquement mis à part et sont évalués de façon complètement différente et pas dans le même bassin de projets autochtones canadiens. Honnêtement, je ne sais pas c'est quoi la solution, parce que même si on voulait traduire les projets en anglais pour qu'ils soient lus par le comité de pairs, mais ça enlèverait toute la poésie et le rythme qui est présente dans l'écriture en français. Je pense que ça dénaturerait la proposition même de l'auteur ou du réalisateur ou du producteur. Moi, ce que je souhaite, c'est sûr qu'il y ait plus en plus de projets francophones autochtones qui voient le jour dans les prochaines années. C'est important non seulement de monter le niveau de production, qu'il y ait plus de projets, mais s'il y a plus de projets, ça veut aussi dire monter le niveau de qualité dans les projets. Puis, avec tout ça, ce qui est encore plus important avec monter le niveau de production, c'est qu'on va pouvoir voir, ou j'espère en tout cas, voir une pluralité des voix à l'intérieur même du cinéma francophone autochtone. Je pense que les institutions reconnaissent quand même le rôle qu'elles peuvent jouer pour encourager l'émergence de nouveaux talents, de nouvelles voix cinématographiques autochtones. Je sais que l'ONF, par exemple, joue un rôle majeur dans la promotion du cinéma autochtone et donc du cinéma francophone autochtone. Ils sont quand même assez proactifs dans le rattrapage qu'il y a à faire au Canada. Et je pense que le cinéma documentaire autochtone au Québec est de plus en plus présent.
Je pense notamment à la réalisatrice Kim Obom-Sawin qui fait un travail exemplaire et exceptionnel pour prendre sa place dans l'industrie au Québec. Mais c'est sûr que c'est encore compliqué de se lancer dans la production de courts et longs métrages de fiction. Ben, comme partout au pays, c'est sûr. Mais moi, je peux que parler de mon expérience ici au Québec. Mon plus gros défi, moi, ça a été de m'entourer d'une équipe autochtone. Je rêve du jour où on va pouvoir faire des œuvres entièrement autochtones et où l'équipe de production sera complètement connectée à la communauté autochtone. Mais c'est pas près d'arriver, je pense. Il faut travailler fort pour ce but-là. J'ai cherché des techniciens autochtones francophones au Québec qui auraient les compétences pour m'appuyer puis me supporter dans ce projet de long métrage. Ça a été très difficile à trouver. Je pense que encore aujourd'hui, le plus difficile, c'est l'embauche de techniciens autochtones dans des postes clés comme directeur photo, preneur de son, monteur, mais même chef éclairagiste, chef des décors, vraiment chef de tous les départements nécessaires à la production d'un film. C'est pas si facile de trouver des techniciens autochtones qui ont de l'expérience aussi de plateau de tournage. Ça veut dire qu'il manque de la formation et des initiatives pour nos jeunes ou pour des gens qui ont de l'intérêt dans le cinéma. Et je suis consciente aussi que ça veut dire que c'est notre responsabilité à nous comme créateurs autochtones de faire cette place pour du mentorat et de l'assistanat. Mais pour ça, il faut pouvoir être épaulé dans cette approche par la production. D'ailleurs, quand j'y pense, je connais pas de producteur autochtone dans mon entourage qui fasse du cinéma d'auteur au Québec. J'aimerais pourtant avoir la chance d'être avec une équipe de production qui comprenne les réalités de nos communautés. Je me rends compte que lors du tournage, on prend rapidement le rôle d'interprète culturel pour le reste de l'équipe. C'est comme un ajout à la réalisation du film. C'est une charge de travail supplémentaire de toujours faire le pont entre la communauté et les façons de travailler de l'industrie québécoise. Il y a un fossé qui se creuse entre la production et la réalisation parce qu'on a des méthodes de travail différentes et une façon divergente d'interagir avec les membres de la communauté. Je pense qu'un autre point est la responsabilité en tant que réalisatrice autochtone de faire travailler les acteurs autochtones francophones. Le bassin est pas très grand. Ils ont très peu d'opportunités de jouer, de montrer leur talent et donc d'acquérir de l'expérience. Je pense qu'il faut les faire jouer le plus possible et s'il y a plus de productions autochtones, ben les acteurs autochtones vont avoir plus d'opportunités de grandir. Je suis convaincue que l'industrie du cinéma autochtone au Canada va continuer de grandir et prendre sa place, ce qui va sûrement donner un coup de pouce à la production autochtone francophone par la même manière. J'ai l'impression que si tout le monde grandit, tout le reste va suivre. Encourageons la production cinématographique pan-canadienne, mais c'est important que la production cinématographique francophone puissent suivre aussi pour qu'on arrête d'être dans deux solitudes comme qu'on a en ce moment. Mon souhait, c'est de voir émerger des producteurs et des réalisateurs autochtones qui travaillent en français, qui vont pouvoir venir diversifier cette industrie du cinéma, non seulement québécois, mais aussi autochtone canadienne, autant devant que derrière la caméra. J'ai l'impression que ça permettrait d'enrayer un problème systémique auquel on fait face au Québec aujourd'hui, tout en permettant de faire rayonner nos histoires, nos réalités, nos préoccupations au-delà de notre territoire. En terminant, je voudrais vous inviter à regarder un magnifique film de Kevin Papaty qui s'appelle L'Amendement, qui a été réalisé dans le cadre du Wapikoni Mobile il y a déjà plusieurs années. Mais c'est un film magnifique qui je trouve, parle bien des conséquences de la langue au travers des générations ou l'idée de cette perte de langue au travers des générations et comment qu'on a été colonisé en milieu francophone. Merci beaucoup.